Et moi, c'est Kochnik. J'espère que tout le monde va bien et que ça va pas. Bon courage et bon rétablissement. Aujourd'hui, on se retrouve sur Garry's Mod, comme tous les jeudis. Eh oui, comme tous les jeudis. Et aujourd'hui, ça va faire... Maman, putain. Ça va faire... exploser. Oui, parce qu'en fait, ce vaisseau a un système d'autodestruction. Enfin, auto, pas auto, c'est nous qui le détruisons nous-mêmes, mais bon. La télécommande que j'avais, ben, en appuyant sur la touche de rechargement, ben, ça fait beau. Donc aujourd'hui, petite présentation de quelques outils de... Ben, quelques outils, hein, aussi bien de construction que de contraintes physiques. On va pas faire de pause aujourd'hui vu qu'on l'avait déjà fait dans la première vidéo. Bon, on en refera, hein, mais ici c'est explication donc. Donc déjà, on va prendre deux objets qui nous serviront pendant toute la vidéo pour expliquer. Qu'est-ce qu'on va prendre? Un monticule. Bah, je ne sais pas à quel moment c'est ça. Ah bah ça. Voilà. C'est un aimant en fait, de grue là, tu vois, des aimants de grue. Hop. Voilà. Alors nous avons d'abord l'axe qui permet de relier, par exemple ceci, justement. Bon, attends, on va déjà et l'amener là-bas. Hop. Voilà. Ouais non, pour faire montrer ça sera mieux. Voilà. Et on va le mettre. Ouais, droit. Voilà, il est droit. Plus ou moins, hein. Plus ou moins. C'est juste pour faire montrer. Ah, donc l'axe, c'est ça. Donc on vient ici. Bon, déjà faire un no-clip histoire de se mettre. Bon, bah, voilà, c'est mieux comme ça, tout doucement. Le centre est... Il est... Ouais bah nous le voilà là. Et on va le mettre là. Là. Voilà. C'est magnifique comme ça. Et là, maintenant, tada. En fait, maintenant, tu peux tourner, tu vois. Comme ceci. Donc en fait, maintenant, il tourne. Enfin, il tourne pas tout seul, hein. C'est moi qui le fais tourner, mais je veux dire. Voilà, hop. Boum. Parce que c'est comme s'il était juste cloué à un seul clou et qu'il tournait autour du clou. Ouais. Alors, retour arrière pour le décrocher, voilà. Donc, le deuxième outil, c'est corde. Bah, c'est tout con, hein. C'est pour mettre une corde entre deux points. Bon, bah, j'ai tiré dans le ciel, donc ça fait une corde genre qui est dans les nuages. Elle tire le mur. Ce qui donne, ça peut donner un bon effet, comme tu vois. On dirait qu'il y a quelque chose dans les nuages. Tant qu'il n'y a rien, c'est juste tirer jusqu'au ciel. Regarde. On va aller. Non, non, on ne peut pas grimper sur la corde. Pas par défaut, en tout cas. Oh, là. Voilà. Donc, voilà. Tu vois, ça a tiré la corde jusqu'ici. En bref, on pourrait même faire un vaisseau ou une cabane, enfin, n'importe quoi ici, sur hauteur, relié à la corde. Et faire comme si la corde nous permettait d'être ici. Mais justement, pour grimper, je vais expliquer un autre outil. Bon, donc c'est ce que j'ai fait montrer, mais ça fonctionne aussi sur les objets. Voilà, voilà. Et donc maintenant, si on le prend, bah, la corde suit et le bloc. Ouais. Là, comme on voit, plus on rapproche, plus la corde est tendue, plus on s'éloigne, plus elle est tendue. Comme en vrai, mais bon. Ils auraient pu ne pas y penser. Donc on dit bravo. Et on passe à travers par contre. Tada. Et non, je ne suis pas en loop clip vu que je le pousse. Non, un fantôme c'est ça. Merci. Alors la glissière, c'est ce que je... C'est pas encore celui que je voulais t'expliquer pour grimper, mais ça peut
permettre déjà de descendre, par exemple. Expliquer à tout le monde, quoi. Mais oui. Ouais, non. Ah, tu leur dis plus en fait, c'est ça, tu les tutoies. Oui, ouais. Tu les tutoies, mais franchement, il est en jeu, il dit sur les vins, tout ça. Oh, j'ai enlevé l'objet parce que tu me parlais. Pardon. Voilà, on va mettre ça. Hop là. L'outil glissier. Là, là, voilà. Mm-hmm. Et maintenant, si on le dégèle, bah, il va glisser le long. Parce qu'en fait, là, il est penché. Enfin, la glissière, comme on peut voir, oh, légèrement est légèrement penchée. Donc, en fait, c'est comme s'il était sur un toboggan. Ouais. Voilà, regarde. Non. Tada. Et je peux le retirer, hein. Je peux le relancer. Oui, lui, il n'est pas... Ouais. Ouais, il n'est pas... limité à la distance à laquelle je l'ai mis. Ah. Voilà, je le mets. C'est pas mal, ça peut faire. Ouais, ça peut faire de bons trucs. Genre ici, ça pourrait limite. Ça me fait limite penser à un télésiège. Ah, ou à téléphérique. Ah, ouais. Tu mets un siège, tu le rends invisible ou tu rends ça invisible. Et voilà, tu as ton truc. Ou même, tu mets que le siège. Et voilà. Hop. Voilà. Et le prochain. Toi, là-bas, il peut tuer. Oui, il peut tuer. Hop. Voilà. Ah ouais. Parce que c'est la physique. C'est la physique de l'objet qui m'a tué. C'était d'ailleurs marqué. Alors, le moteur, lui, c'est justement ce qui nous permet de tourner à gauche ou à droite. Hein. C'est-à-dire, on va faire un carousel. Là. Voilà. On le met plus ou moins, voilà, bah là c'est vraiment plus le poil de centre, on voit que les deux lignes sont plus grosses que, le, que les autres. On met là, là, et voilà. Non, non, il s'est mis là en fait, voilà. Et maintenant, si j'appuie sur 8 et 2, ça le fait tourner dans un sens et puis dans l'autre. Bah là, le design n'est pas beau, enfin, c'est plus pour une grue, mais le principe, c'est... Bien sûr, on peut améliorer le moteur, hein, le couple, limite de force, friction, durée de force. Donc en bref, plus le couple est puissant et haut, plus il tournera vite. Donc ça, on fait un tour. Oula, j'ai voulu se geler. Le muscle, c'est justement... qui permet de tirer et tirer continuellement. Ça, je l'avais déjà expliqué dans une vidéo, il me semble. Enfin, on va le réexpliquer au cas où. Voilà. 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 On a une magnifique corde qui est avec zéro. Là, on voit que... Là c'est parce que je viens de le défiler. Voilà. Et si j'appuie sur zéro... Il s'arrête. Si je réappuie sur 0, il va alors faire. Ah ouais. Tu vois. Allez, venir, allez, venir. Ici, c'est pas énorme parce que dans les paramètres, j'ai mis une expansion très peu, quoi. 100. Et le temps, une seconde. Et l'épaisseur de la corde, c'est-à-dire si on n'a pas envie de voir la corde, bon, déjà, on peut changer l'apparence de la corde, hein, déjà. Mais si on n'a pas envie, on met l'épaisseur à 0. Ça c'est fait, hop là, il retombe, notre grue va nous servir. Le piston hydraulique, c'est ce qui fait qu'on peut faire venir ou partir un objet en appuyant sur la touche. Hop là, là voilà, on dégèle, voilà. Donc là, si j'appuie sur 0 toujours, voilà. Là, c'est parce que c'est moi qui appuie sur 0. Une fois, deux fois, une autre fois, une autre fois. Toujours avec la distance de 100, donc c'est pour ça qu'il fait très peu. Mais je veux dire, on le ferait de beaucoup plus, de là à là, par exemple, juste un exemple. Mais en fait, le truc, l'aimant de grue irait de là jusqu'à là, dès que j'appuie sur la touche, et ensuite, si je réappuierais sur la touche, il retournerait là-bas. Un peu comme là, quoi. Allez, je rappuie sur la touche, revenir.
La poulie. Ah non, c'est avec la corde justement. Du coup, je vais me mettre là. Ah, là, voilà. Comme Et ça. sous l'appareil, là, c'est quoi qui est le papier? Tu Hein? vois, l'appareil fait quelque Ah, chose. ça c'est un outil fait par le créateur du jeu. C'est pas une arme qui est de base dans Half-Life 2, par exemple. C'est une arme, une fusion de différents Ouais, une éléments, quoi. création, quoi, une création de sorte. Et d'ailleurs, tous les éléments, il me semble qu'ils viennent tous de Half-Life 2, y compris épisode 1 et 2, mais ça, c'est normal vu qu'ils reprennent Et aussi des éléments du 1. t'as joué de quoi ça là-bas, t'as fait un jeu de... Ah, FPS. Ah. Donc là, on retourne sur la poulie. Voilà. Voilà. On va le faire là. Voilà. Donc maintenant, en fait, tu ne le vois pas parce que dans ce cas-ci, j'ai fait une épaisse. Ouais. Voilà. Ah ben. Ah oui. Voilà. On fait un tour. Il est là. On va prendre notre poulie. On va le mettre dessus. Là, là, voilà. Ça sert à rien ici ce qu'on a fait vu qu'il faut une corde, hein, mais bon, c'était pour vérifier que l'outil fonctionnait quand même. Voilà, c'est ça, c'est long à mettre en place, donc on va pas le faire. À la limite, si on veut faire pour nos créations. Tard, oui, on pourra mettre des poulies, mais ici ça prend trop de temps pour dire de l'expliquer. Pareil que le moteur, à part qu'ici, voilà, on va le voir là, voilà, bref, là, c'est comme si on avait attaché une sphère et une barre rigide et qui tournait tout autour. En fait, là, il peut tourner aussi bien comme ça. Hein. Hop, voilà. Donc en fait, en mettant ça et par exemple un propulseur à l'arrière, ben ça pourrait faire un carrousel extrêmement rapide ou pas forcément rapide, vu qu'un propulseur on peut le faire faiblement soudé, hein, ça tout simple, là. Il est soudé, c'est-à-dire que maintenant il bougera pas, il est collé à l'élément que je vais coller. Hein. C'est-à-dire si par exemple maintenant j'en prends deux d'un, voilà, et que je les soude ensemble, c'est comment, ouais? Ils sont soudés. Voilà. Ils sont soudés. Ça fait des pieds, oui. On peut faire un robot avec ça. Hop. Hop, voilà. Ouais, ça peut faire des pieds de robot. Le treuil, bah, comme tous les autres treuils au monde, aux dernières nouvelles. Est-ce que tu sais ce que c'est un treuil? Non. Des véhicules qui Ouais. permettent de tracter quelque chose. Je sais plus, ouais. Bon, en bref, ça. Je suis bien, c'est genre que vous voulez vous de l'argent, là. Ça va tout Voilà. le monde, là. Ah, ouais, les gens qui raturent un passage sur la Ouais, seconde. Ah, ok, voilà, je voilà, c'est un travail, quoi. vois Oh, bref, j'attache la voiture à l'objet que je peux remporter, Ouais. donc. Je suis bien, c'est genre que vous voulez vous. Je sais pas ce que c'était, mais j'avais pas un mot. Le petit détail, c'est que le treuil par rapport à la corde, parce que la corde aussi peut le faire. Voilà. Voilà, il peut le faire, hein, tu Ça, c'est vois. quand même plus joli, genre, Non, mais non, bon, non, tu oui, vois. si, 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 mais je veux dire que ici dans le jeu, c'est juste qu'en fait, hop, hop, le treuil, il est mécanique, c'est-à-dire qu'on peut le rallonger ou le rétrécir, voilà, on le rétrécit, tac, Et je il se rapproche, poche. on le rallonge, ici ça ne se voit pas, mais dès que je rallonge, voilà, je peux le rallonger si je veux, hein. Ou le rétrécir. Voilà, tu vois, ça permet de. Voilà, tu fais justement une glissière
Faire par exemple une glissière. Ensuite, mettre un treuil entre le point de départ et le point d'arrivée. Et c'est ça qui va nous faire monter ou descendre, par exemple, ou aller de la gauche à droite. Ben, à ce moment-là, il faut faire deux treuils de chaque côté avec les boutons, enfin les touches inversées pour qu'il puisse aller de la gauche à la droite. Parce que s'il ne va que d'un côté, qu'il le tire et qu'ensuite il veut rallonger la corde, ben, la corde va se rallonger, mais le siège ne va pas aller de l'autre côté. Il va rester là où il est. Donc il faut en mettre un treuil de l'autre côté et inverser les touches histoire que. Pendant que l'un se rallonge, l'autre tire. Tu vois ce que je dis? Ah bah c'était ça qui était le mauvais. Et l'élastique, bah ça, c'est comme tous les bons élastiques. Ça fait. Bah oui, un élastique qui casse pas quoi. On peut tirer. Mais ensuite, décollage, ça revient. Ah oui. On peut faire du saut à l'élastique. Ah, hop là, on va le tirer de là-bas. Attention, magnifique tir, et... T'as un genre fort privé, toi, c'est cool, hein. De quoi? T'as un genre fort privé, mais pas comme ça, mais je veux dire, tu me montres... Tu me vois sur à l'élastique, c'est que je veux mourir. Non, mais je veux dire, les petits... Oh non, c'est du saut en hauteur, Oui. Sois à l'élastique, non, sinon je meurs, hein, je meurs. Je meurs même avant de sauter. Je déteste la hauteur, donc voilà. Donc tes jolis ballons, voilà. Tu veux un joli ballon. Ah, smiley. Tu veux le smiley? En quelle couleur? En rose, bien sûr. Bien sûr. Et voilà. Hein. Voilà. Ici. Voilà ton smiley. Il est bien rose. Hein. Oui, c'est bon. Voilà. C'est du ballon assez solide, hein, parce que regardez, ça soulève le truc de la grue quand même. Attention, et un dernier, voilà. Et là, il va s'envoler. Si les ballons, ils sont rouges. Et oui, parce qu'on peut les péter. Attention, on va faire un combo. Si on y arrive. Faut qu'il se centre bien. Oh, ils sont chiants, ouais. Ah, voilà. Hop, voilà. Pardon, là-dessus, j'en pourrais grossir. Donc, bouton, destructeur, tour, duplicateur. Bah, voilà. Le duplicateur, c'est simplement quelque chose qui permet de. Bon, par contre. Ah, surtout pas. Hop. Le défriser, sinon. Il part dans tous les sens, j'ai fait. Et avec ça, tu fais aussi deux jeux, je sais pas comment on appelle ça. Tu vois, le jeu, Non, c'est pas un jeu de plateau, ouais, c'est pas un jeu de plateau, mais non, je pense à un jeu. Quand tu vois, genre dans les casinos, mais pas dans tous les jeux, quoi, t'as les dormés à pas de l'autre mais t'as un genre de théâtre, mais. Gros, t'as une zone pas de gros, et tu craques la balle pour l'enlever dans l'autre corps, et l'autre dans le péché. Du hockey? Non, mais je fais avec le jeu, c'est souvent dans un sens. Ça passe souvent, mais quand on n'a pas d'attraction, on fait un peu toujours. Je vois que le hockey, là, c'est une palette que tu as. Toi, tu as une sorte de. On va dire une plaque ronde avec une tige pour pouvoir le tenir. Et tu dois. C'est du hockey? Oui, c'est du hockey. Ah, bah, c'est. Je pense que c'est une. Une balle ou une. Il me semble. Ouais, c'est du hockey. Ouais, à ne pas confondre avec le hockey sur glace et le hockey sur galon qui eux se jouent avec un palais aussi, mais en taille humaine, on va dire comme ça. Oui, c'est un hockey de table. C'est du hockey de table. C'est le hockey de table, alors moi, c'est du hockey. Pour être précis. Dans le... Voilà. Donc, j'allais vous présenter un des modes que j'aime particulièrement bien qui est le mode de Starship Trooper. Comprenant les différents véhicules, moi. Tous les différents arachnoïdes, on va dire comme ça, de Starship Trooper. Oui, arachnide, voilà. Mais dans le film, il me semble que. Je sais plus s'ils disent arachnide ou arachnoïde. Ben, arachnide, ça veut dire quoi? C'est plus arachnide. On dit arachnide, mais on a rien.
Oui, mais ici, C'est tout différent. ici ça, bah, ça ressemble quand même à un oreiller, regarde. Coucou. Avant, je trouve le verre. Là, je suis bien. Ah. Oula. Ça joli, on voit toutes les cartouches que j'ai tirées. Ça fait très beau. Tu vois ça, les chariots qui eux. Bouh. Bouh. T'as peur. Hein. Bah, t'as vu les dingues aussi. Eux, c'est les. Eux, c'est ceux, les. Allez, ceux qui travaillent, allez. Ceux qui travaillent. Oui. On va dire comme ça. Non. La blague pourrie, le petit la blague pourrie. Ceux qui travaillent, c'est des travailleurs. Bon, sans blague. Employés, voilà, enfin. Les employés. Ouvriers, voilà. Oh. Je cherchais le mot, j'arrivais plus à. Ça, c'est une sentinelle. Ça ne bougera pas. Ah, déjà, ah, c'est. Si elle bouge. Elle bouge pas d'emplacement, elle reste sur place, quoi. C'est une sentinelle. Et c'est-à-dire que si on va tout près, voilà ce qui se passe. Regarde bien. Ça ne va pas. Voilà, oh merde. On est flashé, oh. On voit plus rien. Voilà. Il faut s'éloigner, sinon il va le faire. Voilà. Oh, t'as vraiment un morceau. Oui. Là, on dirait un crâne. Crâne, ah, c'est ça, mon crâne, c'est son barreau. Oh, c'est le. Un chocolat. L'abdomen de. Je l'ai goûté des petits genres de chocolat. Donc, ouais. Celui-là, il tire. Aïe. Voilà, il part en morceaux aussi. Un morceau aussi. Bien coloré, lui. Oh, c'est tout la rigueur, mais c'est coloré, c'est ce que je disais. Tiens, voilà pour toi, ça, c'est la roue. Ah non, ouais, ah, non, oui. Non, c'est bon. Ça fait lourd. Ouais, bon. Non, je ne veux pas ça. Celui-là, non, alors. Ah, c'est lui. Quoi? Ah, mais ça, je ne veux pas, ça, il est gros. Hein? Ça, il est gros. Ouais, ah, là, et je lui, dire, là, je gros. Il crache des flammes, en ah, fait. Ah, oui, c'est dans le lard. D'accord? Aïe 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 aïe. Les Digimon. Ah, ils sont plus mignons. Les trois ah, premières générations. Hmm, il vient de dire coucou. Ah bon? Non, mais il vient de dire coucou. Ah bah, ils tiennent avec moi. Et d'ailleurs, ils sont armés, il me semble. Ouais, d'un pistolet, je les ai armés de pistolet. Ça. Ce qui fait que. Ils sont très défenseurs, c'est pas une arme qui leur tombe. Bah, en fait, c'est-à-dire que maintenant, s'il y a ça. Ouais, ah, si. Ah bon, pas ça, parce que ça, il va l'attaquer vu que c'est pacifique, mais s'il y a ça, par exemple, voilà. Mais bah, arrêtez de me suivre, à tirer aussi, voilà. Voilà, il y a Guilmon qui a tout compris. Enfin, il y a bien Guilmon qui a tout compris. Ah, bah, voilà. Il y a Vimon. Ah, Vimon, lui, il a tout compris, il se met le dos. Il est et... Je n'ai qu'à vous entendre. Ouais, bah, on va. La vidéo est déjà assez longue comme ça, donc on va vous laisser là pour aujourd'hui. Jeudi prochain, ça sera présentation de 2-3 maps qui sont assez sympas. Ah, c'est sympa, peut-être pas. Oh, si, il y en a une qui est assez réputée aussi dans le Gary Swan. Ah, c'est mais oui, oui. Donc d'ici là, portez-vous bien. Non, vous portez pas bien, moi, je rigole. C'est une femme, mais portez-vous bien, les petits gens, donc. Soyez bien sages, on vous fait de gros bisous. À demain. Oui, oui, à demain. À demain. Oh, c'est magnifique, mot. Eh oui. Eh bien, voilà, on va vous laisser sur ça. Soyez bien sages, portez-vous bien, comme ça, c'est
gros bisous. Mouah, ciao, ciao. Bisous de Koshnik et Nico. Mouah, double bisous.